Panama pour aller prendre un vol après pour la Colombie. On va avoir plusieurs passages de frontières, 30 heures de bus à peu près. Donc on va vous filmer un petit peu ça, on va vous montrer un peu l'aventure, parce que 30 heures de bus c'est l'aventure. Voilà, donc on attend notre bus et c'est parti. Alors, la première étape, c'est de s'enregistrer. C'est un petit peu comme à l'aéroport. Donc là, on est à l'agence de la compagnie de bus qui nous a délivré nos billets. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, donc là, on a nos billets de bus avec les horaires, les trajets qu'on va faire. Et puis, on doit aussi remplir ce genre de papier. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, voilà, on indique nos noms, nos prénoms, notre numéro de passeport. Si on transporte des marchandises particulières, l'endroit où on va, etc. Pour chaque sortie et pour chaque entrée dans un pays, on doit remplir ce genre de documents avant de monter dans le bus. Voilà, on attend notre bus, il va bientôt arriver. A toutes. On s'apprête à rentrer dans le bus, c'est le moment de la vérification des tickets par le contrôleur, c'est normal. Voilà. Alors on arrive à la frontière du Costa Rica. On ne pourra pas filmer parce que c'est interdit de filmer lors des postes frontières. Donc là on va descendre du bus pour montrer les passeports aux agents de douane. On prend notre petit tampon de sortie du Nicaragua. Et ensuite on rentre dans le bus pour entrer au Costa Rica. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut d'abord sortir du pays puis après rentrer dans l'autre, évidemment. Alors, là on vient de passer la frontière du Costa Rica, c'était assez rapide, donc on a présenté nos passeports et on a eu droit à un nouveau tampon. Donc là on est rentré au Costa Rica, ça y est, donc là le bus est en train de se charger de nouveau parce qu'il a fallu sortir tous les sacs pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc là on va remonter dans le bus et traverser le Costa Rica, mais on aura un changement à la capitale du Costa Rica. Dans 5 ou 6 heures normalement, et ensuite vers minuit on aura le bus pour Panama. Voilà. Petite pause. On roule depuis un peu plus de 4 heures et là c'est le temps de la pause pipi et puis de manger un petit peu. Donc voilà, on a 20 minutes de pause avant de repartir. Il est 21h30, on vient d'arriver au Costa Rica après 6 heures de route, un petit peu plus de 6 heures. Et on est dans la salle d'attente pour notre prochain bus. Camille est en train de récupérer les bagages pendant que je vous explique un petit peu tout ça. La salle d'attente n'est pas très grande et il n'y a pas beaucoup de choses pour manger, donc il va falloir qu'on se débrouille pour trouver quelque chose à manger parce qu'on a des petits gâteaux et des fruits, mais ce ne sera sûrement pas suffisant.
L'étape suivante, on prend le bus pour Panama. C'est parti pour 17 heures de bus. Mais là, je pense qu'on va bien dormir. Ça y est, on est sorti du Costa Rica. Là, nous marchons vers la frontière du Panama. En fait, il faut réaliser ce trajet à pied. Et ensuite, nous récupérerons notre bus pour repartir, en espérant que tout se passe bien à la frontière. Ça y est, on est bien arrivé au Panama après 27 heures de bus. C'était une belle aventure. Maintenant, on va profiter du pays et de la capitale avant de repartir pour la Colombie. Voici quelques images de notre séjour au Panama et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut !